tu en comme ça là. Parce que ce qu'on va voir ici, c'est en fait, on va les voir cet après-midi. Hein. Donc ça, c'est juste une petite section de ce qu'on va voir cet après-midi. Ok, donc le musée Hetsa Pitassin, ici on se rappelle de ce qui s'est passé en 1976. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait imposé, le gouvernement de cette époque avait imposé l'afrikaans comme une langue de scolarisation. Donc ça veut dire que dans toutes les écoles en Afrique du Sud, on allait utiliser l'afrikaans comme une langue de scolarisation. Donc ça n'a pas bien tombé avec ici. C'est pour rendre hommage et aux gens, ou bien aux jeunes qui sont morts pendant les émeutes de 76. Ok, messieurs, dames. Voilà, donc vous allez remarquer aussi ce plan. C'est férié, c'est le jour de la jeunesse. 1976, lorsque les élèves se sont révoltés parce que le gouvernement voulait que l'afrikaner soit la langue officielle dans toutes les écoles. Mais l'afrikaner était composé du français, anglais, néerlandais, allemand et ainsi de suite. Ce n'était pas possible. Qui nous a attaqué en première, ils ont tué notre chien. Mmh. Ouais, c'est comme les... Voilà, donc ils ont tué un chien et puis nous on les a tirés 500 élèves pour une vie d'un chien. Voilà, donc ici, là, c'est la scène du 16 juin 76 et je vous montre ce qui s'est passé. Voilà. Ok, messieurs, dames, donc on va prendre en 92. Comme vous voyez, il n'y a pas assez d'espace. Donc on a trouvé l'espace là-bas et puis on a construit le musée. Mais en fait, c'est ici, le site là où il a été tué par la police. Ok. Donc ils ont travaillé ensemble avec Wolters et Soulou.